Pour moi, les Simpsons, c'est le paradis. Ouais, c'était sympa. La pauvre. Non, mais le pauvre, quoi. C'est elle, là, qui a surpeint. Bon, bah, il est au bout de sa vie, là. Il va aller au boulot. Hein. C'est pas une promo qu'il va avoir. Il va finir par se faire virer, tellement. C'est la faute à Dina, ça. Je vous jure, elle me pourrit la vie. Elle a décidé de me pourrir le challenge, quoi. Les Sims 4 sont géniaux, mais je trouve qu'ils deviennent un peu trop formels par rapport aux anciens. Ou plus d'actions ou d'objets loufoques étaient possibles. Oh, ils sont quand même bien barrés, hein. Ils sont quand même bien barrés. Alors, on va changer le lit tout de suite, là, parce que... Peut-être le lit, en fait. C'est pas Dina, c'est le lit. Allez, vendre. Et... Donc, j'ai dit, au niveau du lit, que je voulais... Non, pas celui-là. Celui-là. Le lit maléfique. On va prendre un. Oh, bah écoutez, c'est pas mal. Ça va avec le reste de la chambre. Allez, vendu. Oublie pas le lit. Voilà, ça y est, c'est fait. Tu lives jusque quand? Je sais pas. Je live tant que. Voilà, tant que je peux, tant que vous êtes là, tant que ça vous dit, on reste là. Pas que je dise ça, vous allez me faire rester jusqu'à 23h. Ouais, va au boulot là, si tu veux être en retard, et si c'est en retard, c'est encore pire. Alors là, elle est mal à l'aise, il a pas fait sa tâche du jour, il a pas le bon moodlet. Je vous dis, on va se faire virer en fait. Il va arriver en retard. Ah, il est enjôleur, c'est bien, c'est positif. Flirter avec les collègues. Oh, tout de suite. Parce que je dois partir faire quelques courses et ce serait cool que j'arrive à revenir et que t'es encore là. Bah écoute, je te garantis rien, mais c'est possible que je sois encore là. Ça va dépendre jusqu'à quelle heure je suis toute seule parce qu'il est déjà presque 16h. Je pense que dans l'heure qui arrive, je vais devoir couper. Donc, ton espérance de vie est définie sur normal. Non, il n'y a pas de... L'espérance de vie est supprimée. En fait, ça fait partie du challenge parce que sinon, on s'en sort pas. Donc, en fait, j'ai arrêté le vieillissement. Voilà, j'ai désactivé. Allez, hop! Bon, on a le lit. On va peut-être pouvoir commencer à choper des papiers peints et du carrelage, non? À défaut de la déco, au moins qu'on ait. Mais bon, je ferai tout ça. Oh, il a pas réparé les toilettes, ce boulet. Ah, c'est moi qui ai annulé l'action, je crois. On va peut-être pas lui mettre tout sur le dos, le pauvre. Ah, bah continue de peindre, continue, écoute. Hop, grande toile classique, on a besoin d'argent, on a besoin d'argent, t'es là pour ça. Tu ne sers qu'à faire de l'argent, Dina, je te l'ai déjà dit. Vas-y, toi, t'as assez dormi, là. Oh, ça y est, fais la gueule. Allez sur le pot. Ouais. Prendre une portion. Et ta mère, elle va te donner un bain dès que t'auras mangé. Et après, tu vas continuer à bosser tes compétences. Je connais même pas ce challenge. Alors, je te le résume. Tu commences, t'as rien. T'as pas de maison, t'as rien. Et tu dois tout avoir à la fin, sauf que tu as des restrictions. Tu ne peux pas construire ta maison tant que tu n'as pas validé. Je crois qu'il fallait une compétence. Voilà, augmenter ta compétence en bricolage et en je sais plus quoi pour pouvoir construire ta maison. Tu commences avec zéro Simflouz, bien sûr. Donc au début, tu vis sur un banc, dans un parc. Et là, tu vois, j'ai réussi, j'ai pu construire la maison, donc j'ai pu épouser Dina Caliente. Il faut que j'obtienne un certain niveau en bricolage et en jardinage pour pouvoir faire mon jardin. Et il faut aussi que j'atteigne le niveau 10 de ma carrière, que je valide mon aspiration, que mes enfants valident leurs compétences. Enfin bref, si jamais ça t'intéresse.
Ah bah attendez, je vais te mettre les règles, elles sont sur le forum, c'est Massilia qui les a traduites en français. Donc, je les balance sur Twitch et après je te les mets. Hop. Ah. Je te les mets sur YouTube. Copier. Les coller. Voilà. Et voilà. Donc t'as les règles, c'est pas mal, moi j'aime bien, je m'éclate. Ça fait combien de semaines sim que tu fais le challenge? Je sais pas. J'ai pas compté. Bah c'est simple, on a commencé au printemps. Donc bah ça fait 4 semaines, puisque j'ai commencé le premier jour du printemps et qu'on arrive fin de l'hiver. Donc ça fait 4 semaines. Je sais plus si elle a commencé au printemps ou été. J'ai commencé au printemps. T'as toujours mal aux côtes? Oui, j'ai toujours mal aux côtes. Je suis toujours sous médicaments. Ça va finir par passer au bout d'un moment, mais sans médicaments, je peux pas faire de stream. Hein. C'est pas possible. Ok, sympa. J'aime bien ce genre de départ chaotique. Ah, ça, c'est pour être chaotique, c'est chaotique. Hein. Et bonjour, Super Nani. Assez long quand même. Ah bah oui, tu galères. 4 semaines donc, ouais, c'est ça. Je dois avoir un sacré décalage quand je tape et quand tu réponds parce que j'ai eu le lien 2 minutes avant. Je crois qu'il y a au moins 15 secondes entre... J'ai pas beaucoup de décalage sur Twitch, par contre, je dois avoir au moins 15 secondes sur YouTube. Il y a un gros décalage sur YouTube. Je sais pas pourquoi. Alors que sur Twitch, il y a que 5-6 secondes, un truc comme ça. Mais oh, elle a fait un chef-d'œuvre. On applaudit bien fort Dina. Elle me pourrit mes journées, mais elle rapporte des sous. C'est bien. Tiens, hop, prends une portion et après on les mettra au frigo. Toi. Non, 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 t'attends, mange pas, mange pas, mange pas. Mange pas, tu vas t'occuper de ta fille d'abord. Elle va lui donner un bain. Donner un bain de mousse. Elle aussi, elle a droit à un bain de mousse, tiens. Et puis c'est long. D'un autre côté, si je me concentrais un petit peu plus sur le challenge, au lieu de passer mon temps à papoter avec vous, je pense que j'irais plus vite, mais comme je préfère papoter avec vous, bah ça avance pas. Ça avance pas aussi vite que ce que je voudrais parce que bah voilà, je préfère discuter avec vous. Jamais 2 sans 3, elle espère peut-être qu'à te faire des chefs-d'œuvre, tu vas arrêter de l'exploiter, la pauvre. C'est beau de l'avoir espéré. Avec ce qu'elle m'a fait en début de challenge, négatif. Jusqu'à la mort, je vais l'exploiter. Enfin, elle sert à quelque chose, c'est ça. On parle trop. Mais non, on parlait pas trop. C'est moi qui parle trop, je crois. C'est un gros problème chez moi. C'est récurrent. On me dit souvent que je cause trop. Ah non, non. Vu tout ce qu'elle m'a fait, Dina, je vous jure que jusqu'à la fin du challenge, elle va. Elle mourra en train de faire un tableau, quoi. Le vent qu'elle a mis à Olivier, je m'en remettrai pas, quoi. Allez, apprends-lui. Non, parler, c'est bon, hein. On a dit parler. Non, c'est ta fille que je veux voir. Parler, c'est bon. Par contre, tu peux peut-être lui apprendre, je sais pas, à marcher ou un truc comme ça. Lire le livre pour bambin, tiens. Tu devrais l'enfermer dans une cave. Non, bah quand même, on en a besoin. Elle fait des tableaux. Puis elle fait crac-crac, mal, mais elle fait crac-crac quand même pour remonter un petit peu les besoins d'Olivier. Donc, l'imagination avec les cartes de support. Ah, c'est pas bête ça. Mais je veux que ça remonte la tension. Ouais, allez, c'est fini. Amical, carte visuelle. Bon, c'est pas grave, ce sera là. Ce sera pas l'imagination, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Et ça monte ton attention? Oui, ça monte ton attention, super. Du coup, on n'a pas vu de neige à hein, Oasis Spring, c'était le but, hein. Que j'avais peur de mourir de froid si jamais j'arrivais pas à avoir une maison d'ici là. T'en es où toi? Ouais, bah pas la promo, ça c'était sûr et certain.
C'était sûr et certain. J'ai trouvé un objet trop cool pour les bambins, la tablette. Oui, regarde, elle est là. Elle est là, la tablette. Mais là, j'ai besoin de remonter. J'avais besoin de remonter l'attention d'Agathe. Donc, j'ai préféré que sa mère lui apprenne des choses. Puis, je crois que ça va un peu plus vite quand c'est les parents qui t'apprennent. Donc, comme on est un petit peu. Enfin, on n'est pas pressé par le temps, mais ce serait bien d'avancer quand même. Il nous manque 1, 2, 3, 4, 5. Il manque 9 points de compétence quand même. On n'est pas rendu. On n'est pas rendu du tout. Oui, elle a envie d'aller aux toilettes. Bah vas-y. Hop là. Ah merci, cassé. Là, celui-là. Faire pipi comme une championne. Prendre des restes. Et puis toi, bah du coup, tu vas t'occuper toute seule avec la tablette. Allez, je vois s'il me forme. Je croyais que c'était un bouquin qui traînait. Non, non, c'est la tablette. Je pourrais la ranger, mais comme elle la ressort tous les jours. Je vois pas l'intérêt. Alors on m'a dit que je laissais. On m'a dit que je la laissais un petit peu trop sur la tablette, mais c'est pas grave. C'est normalement in-game, ça devrait pas la perturber pour plus tard. Donc ça devrait être bon quand même. Elle devrait pas finir traumatisée des écrans. C'est l'avantage du in-game par rapport à l'IRL. Ah, génial! Niveau 2 de réflexion, magnifique. Mais pourquoi t'es en colère? T'en as marre des cartes? Bah ça y est, c'est fini les cartes là. Non mais c'est bon Katrina, foutez-moi la paix. Allez, va dormir un petit peu. Toi, t'en peux plus. Bah tu vas faire à manger d'abord. Et après tu vas dormir. Tempura encore. On fait toujours les mêmes choses, mais. Tu bosses dans combien de temps? Dans 15 heures. Ah ben c'est ça. Fais à manger. Après, tu vas dormir. Normalement, tu vas dormir plus vite dans le nouveau lit. Allez. Alors, t'en fasses des repas là avant demain. Parce que je voudrais que demain, on ait la promo. T'en es où? Ah, demain, obligé, t'as la promo. Donc, il te faut le bon moodlet, la tâche du jour. Et tu t'approches pas de Dina, quoi qu'il arrive. C'est quoi, tu veux monter le divertissement? On va le monter avec les écouteurs. Oh tiens, ça fait longtemps, on n'a pas fait faire des bébés aux grenouilles là. On les vend aussi après. Hop, on va en profiter, on va les vendre. Ça rapporte de l'argent, ça mine d'eau. Je le fais jamais dans mes autres parties. Erreur fatale. Visiblement, vu le pognon que ça rapporte. Hop. On en est où? 6 000, mais c'est magnifique. On va pouvoir s'acheter une bonne douche. J'ai pas encore vendu ce dîner, tiens. Bon gigot, à tout à l'heure ou à bientôt, on verra bien. Ok, bah peut-être à tout à l'heure, Fanny, sinon à une prochaine fois. Bisous, merci d'être passé. Hop. On va aller voir combien ça coûte une bonne douche. Hop là, t'en es où là? Mais qu'est-ce que tu fais encore debout? Du coup. Tiens, va réparer ça, s'il te plaît. Vite fait. Donc, dans 13 heures. Ok. Faut que tu reprépares à manger aussi. Mais tu feras ça après avoir dormi, sinon tu vas tomber. Tiens, je devais faire ça aussi dans mon let's play de Julie, les grenouilles. Ah ouais, non, mais ça, moi, je savais pas. Enfin, je faisais jamais, je connaissais pas. Je sais plus qui m'en a parlé sur le chat. Et depuis, j'ai mis des grenouilles partout chez tout le monde et on fait plein de bébés, ça rapporte plein d'argent. Je crois que tu as de la nourriture gâtée dans le réfrigérateur. Oui, c'est possible. Il va aller s'en occuper. En fait, il fait tellement à bouffer pour cette tâche du jour que on n'arrête pas de jeter des plats. Mets un tapis dehors et fais dormir Dina dessus. Mais que vous êtes encore plus horrible que moi, quoi.
Comment vous êtes mauvais? Moi, je n'aime pas beaucoup la Dina, mais vous, c'est pire que tout, quoi. Et toi, tu continues. Bon, allez, ça avance là. Je pense que fin du printemps, grand max, on l'a fait grandir. Bon, ben voilà, on vient de passer une année entière, 4 semaines Sims. Il y a de la nourriture pourrie. J'aime Dina, mais la mienne, mort de rire, pas la tienne. Non, mais bon. C'est vrai qu'elle me pourrit un peu la vie, puis elle voulait pas sortir avec Olivier. Elle lui a mis un vent quand il l'a demandé en mariage. Il a fallu que je lui force la main, quoi. Et moi, j'ai pas l'habitude. D'habitude, c'est Don Lotario que je drague. Et lui, il est toujours open. Hein? Donc. Ouais, pff, debout, t'as du ménage qui t'attend. Donc j'ai juré quand elle lui a fini un vent qu'elle allait finir esclave de la maison. Parce que franchement, il y a de l'abus. Enlever la nourriture gâtée. Je la préfère à Nina. Ah ça c'est sûr, il n'y a pas photo. C'est une vieille fille, elle mérite la potence. C'est ça. Mylène. Grande toile classique. Allez, t'es parti, t'es en mode ménage. Toi, repose-toi encore un petit peu. Oh, ça va, 11 h. On est bien, on est bien. Je sais pas comment elle fait pour mettre un vent à ce Sims, s'il est tellement beau. Mais on est tellement d'accord, Lisa. Moi, je lui aurais pas mis un vent, c'est sûr et certain. Bon, moi, il m'aurait peut-être pas demandé en mariage, mais je lui aurais pas mis un vent. C'est sûr, la douche est sale. Ah, tiens, ça c'est du job pour Dina. Hop, va nettoyer. Non, Dina, j'ai dit, Dina, Dina. Hop, nettoyer. Hop. Et toi, t'en es où? Allez, hop. Avant de nous péter une durite. Où elle va? Ah, c'est bon. Oui, j'aurais pu mettre une poubelle à l'intérieur, ça aurait pas été du luxe, mais. Combien ça coûte la douche là avant de la nettoyer? Parce que si j'ai les moyens de prendre une bonne douche. Oh bah oui, on va pas la nettoyer, on va la vendre. Et on va se prendre Je sais pas si je prends une combi. Non, je vais prendre une vraie douche, puisque de l'autre côté, on aura douche plus baignoire. Voilà. Les toilettes, pareil. On va se prendre des bonnes toilettes. Bien cher. Genre ça, là. Hop, on va les mettre là en attendant. Voilà. Puis le lavabo, je vais pas le changer parce que je pense que je vais mettre un plan de travail là avec un joli. Enfin bref, ce sera pas pour tout de suite. Du coup, je change pas le lavabo. Bah du coup, laisse tomber le nettoyage de la douche. Hein. Tes chaises de salle à manger viennent de quelle add-on? Je crois que c'est être parent. Je vais te redire ça, mais il me semble que. Oui, c'est ça. C'est la donne être parent. Je sais plus si j'ai le titre exact d'ailleurs. Parenthood en anglais, mais je sais plus. Elle est super grande ta maison. Ouais, t'as vu. À la base, c'était juste un bunker. Et là, c'est une grande maison avec 3 chambres, une nurserie et un bureau. Mais j'avais pas de sous pour finir la déco. Donc voilà, on a fait que le minimum syndical et il faudra que je me mette un petit peu pour la finir. C'est bon, Dina, elle est en bout de sa vie. Ça y est, elle fait le ménage, elle en peut plus. Hop, grande toile classique. Pourquoi ça va pas? Jour férié épouvantable. Ouais, bah écoute, c'est vrai que c'était jour de l'an, mais c'est pas grave. Toi, tu vas au lit. Journée des farces. Non, bah, ça là non plus, on va pas la faire. Hein, on va pas se pourrir la life. Tu travailles dans combien de temps? 9 h. Oh,
Oh, il me saoule ce truc là, faut vraiment que je m'en occupe après. Un an Sims passé déjà. Ouais, ça fait 4 semaines qu'on est là. Ouais, elle a fini. Elle est niveau 10 en peinture. Du coup, elle va nous faire des choses qui valent pas plus que d'habitude, mais enfin bon. Hop, toile classique. Prends toile classique. Toi. Où t'en es? Ta mission, ça va être de faire à manger. Beaucoup à manger. Et si possible, du gastronomique. On va changer un peu. Allez, salade César. Et après, tu feras des gnocchis à la courge. Rien que ça. Hop, des gnocchis à la courge. Voilà, pour 4, ça fera moins de plats. Peut-être un petit peu moins de gâchis. Et pour finir ta tâche du jour. Et après, tu iras à la douche. Et t'as pas fini de dormir là? Bon, 7 heures, je te laisse dormir là. Est-ce que j'ai assez de points pour m'acheter? Oh oui! On va aller s'acheter un trait de récompense. Je ne sais pas quoi encore, mais il faut quelque chose qui puisse nous être utile. On va être dans les plus chers parce que c'est là que c'est mieux. Visionnaire, non, ça je m'en fiche. Vessie d'acier, je m'en fiche. Sans gêne. Ah, ça lui est, ça serait utile ça. Jamais embarrassé, résistant à la chaleur, insensible au froid, je m'en fous. Indépendant, je m'en fiche aussi. Esprit d'initiative, je l'ai déjà. Économe, ça peut être pas mal. Service gratuit, on s'en fiche. Ah, voilà. Les pros des cuisinières peuvent créer de la nourriture de qualité impeccable. Ce serait pas mal, ça. Négociateur. Chance chasseur d'orage. Ok. On va pas nous des orages de toute façon. Observateur, nettoyeur rapide, habitué à la chaleur, on s'en fiche. Étanche. Non, bah, la seule qui pourrait m'intéresser éventuellement, c'est pro des cuisinières. Et qu'est-ce qu'il y a là un peu plus cher? Est-ce que je vais avoir besoin? Captive en non, les relations. Commence leur carrière, ben, ça on s'en fout, on a déjà commencé. Fertile. Non, 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 non. Feignant professionnel. Non, pas peur d'être rétrogradé. Ouais, je veux pas être rétrogradé. Petit mangeur, savant. Besoin de personne. Toujours propre, jamais fatigué. Toujours rassasié. Non, bah écoutez, on va se prendre pour des barbecues là. Au moins, on fera que des bons repas. Voilà. Allez, c'est parti. Moins de factures. Ah, pour l'instant, on n'est pas enquiquiné par les factures. On prendra plus tard. Il y a Dina pour les factures, tu vois. Puis j'ai pas mis de thermostat, donc ça devrait aller. L'arbre à Simfou, c'est un truc de malade. 8000. Ah ouais, c'est vrai, j'aurais pu prendre ça. C'est pas con. Bah, prochaine fois. Allez, go. Ouais, j'aurais dû prendre l'arbre à Simfou. J'aurais dû vous écouter. Bon, je prendrai après. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Oui, attends, il faut que je débarrasse ça pour que tu puisses faire les gnocchis. Reprendre. T'en es où? Ouais, 50%. Peut-être falloir que tu fasses une troisième. Toi, hop, bah, c'est bon. Et on y retourne. Bah, t'es fatiguée, je veux pas le savoir, je m'en fiche. Hop. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, t'as passé un mauvais jour de l'an. Bah, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Ça fait 2 fois qu'il va bosser embarrassé à cause de toi. Donc, chacun ses problèmes. Toi, tu vas venir manger. Les triplés. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah, je pouvais pas, c'était 5000. Ouais, mais j'aurais pu garder mes sous, du coup. Les triplés. Non, pas de triplés. C'est clair, ça fait plaisir. C'est un peu comme la plante vache. C'est un truc de base dans le jeu qui suit tous les opus, ouais. Installe un mode pour faire des quadruplés. Non, mais t'es. Alors, un, j'ai pas le droit. Et deux, il en est hors de question. Je peux avec le MC Command Center. J'ai rien besoin d'installer.
Mais il est hors de question que je fasse des quadruplés. Vous êtes malade dans vos têtes. Il n'y a pas de jumeaux, pas de triplés, pas de chien, pas de chat, rien. Ça suffit le bordel. Hein. J'en ai marre. Toi, t'en es où? T'en es où? T'en es où? Terminé, très bien. Hop, on va faire une tournée de. Petite tournée de grenouille. Ça fait quand même 400 ou 500 Simflouches chaque fois. Hein, donc, et hop. Écouteurs disco moderne, soyons fous. Et ça, tu le ranges. Et tu bosses dans 5 heures. Donc on va pas prendre la douche tout de suite, tout de suite. Tiens, tu vas aller bosser un peu. T'en es où là de ton bricolage? Ouais, faut arriver à 7 de bricolage. Améliorer. Ajouter une chasse d'eau supérieure. Voilà. Ça va lui faire améliorer son bricolage et après on s'occupera du jardinage. Vendre un collectionneur et toi tu peux aller manger. Oui, que je la traite bien et je la laisse manger. C'est quand même que je suis sympa, quoi. Quadruplé, quatre gosses à la pêche, pactole. Non. Non, 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 non. Je vois pas ça comme ça. Je vois ça comme quadruplé, je m'arrache les cheveux, je peux pas les faire grandir. Non, non, non. Je me pense, c'est pas possible. En plus, Dina et Lévi doivent être grands-parents pour finir le challenge. Alors, si t'en plein de gosses, laisse tomber la galère. Ouais. J'ai dit deux gamins, c'est déjà pas mal. Donc déjà, on fait grandir Agathe. Ou quand on est presque sur le point de la faire grandir, je mets en route le deuxième. Mais ça s'arrête là. Je fais pas un élevage de gosses, c'est bon. Je donne, si vous voulez, tu vois, si tu veux, en termes d'élevage de gamins, je donne assez dans mon legacy et dans mes autres challenges. Donc là, donc c'est bon, je ferai pas un élevage. Pourquoi t'es triste? Ah oui, toi aussi, t'as loupé ton jour férié. C'est con ça. Ah, c'est cool, 3 heures. C'est bon, ça devrait aller. Faut se donner des paroles d'encouragement sur un miroir pour ne plus être triste. Pas pour Dina, on s'en fiche pour aller. Ouais, mais le temps qu'il aille bosser, il sera plus triste. Il va bosser dans 4 heures et ça finit dans 3 heures. Donc ça ira. On sera bon. Dès qu'il aura amélioré les toilettes, il ira dessus. Allez, fier de lui, c'est bien. Utiliser. Il ira prendre une douche quand il restera que 2 heures. Je comprends pas les gens qui font 15 enfants, déjà 3 signes, je m'épose toutes les 3 ondes. Alors, en temps normal, quand je suis pas en challenge ou quand c'est un challenge qui roule depuis un moment, j'aime bien faire beaucoup d'enfants. Donc, j'en fais toujours, ouais. En général, on est à 7, 8 sims par foyer. Mais pourquoi j'aime faire beaucoup d'enfants? C'est parce que j'aime que mes Sims soient beaux. Je n'aime pas les Sims moches. Donc je fais beaucoup d'enfants pour qu'il y en ait au moins un dans le lot qui soit potable pour être l'héritier de la prochaine génération. Donc voilà pourquoi je fais beaucoup d'enfants. Mais là on s'en fiche, il n'y aura pas d'héritier. Donc, même s'ils sont vilains, je sais pas, vraiment en faire 15, du moment qu'ils sont à peu près potables, ça passe. Allez, va manger. Et puis après, tu pourras aller à la douche parce que ça devrait pas tarder d'être l'heure d'aller bosser. Et moi, j'évite d'en faire autant que possible ou alors au compte-goutte. Ah ben ça, c'est ça qui est bien avec les Sims, c'est que on a tous une manière de jouer différente et qu'on y trouve tous notre compte. On trouve tous notre bonheur alors qu'on joue tous différemment. C'est la force du. Je pense que c'est la force de ce jeu, en fait. Hop. Allez, va aux toilettes. Et puis après tu reviens. Non, pas toile confiante, ça rapporte que dalle ça. Je me suis déjà fait avoir. Tiens, on va changer un peu.
surréaliste. Allez, soyons fous. Toi, t'en es où? Dans 2 heures. Donc là, il est temps d'aller se doucher et d'aller regarder les nuages. T'as besoin de rien d'autre? Non. Alors, prendre une douche méditative. Et après, tu iras regarder les nuages. Je suis sûre que même s'il est vilain, tu t'en ficheras pas. Mais il sera pas vilain. Et oui, et ce qui est génial aussi, c'est la diversité des défis challenges qui nous permettent justement de sortir de nos zones de confort et d'exploiter au max le jeu. Ah ben c'est clair qu'il y a plein de choses que je ne fais jamais en dehors des challenges, quoi. Il y a des choses que je suis obligée de faire dans les challenges que j'avais jamais fait jusque-là. Moi aussi, je suis en panique dès qu'il y a beaucoup d'enfants. Mais non, ça gère tout seul, les gamins. Ah, elle est la fin. Ici, ici. Oui, elle a faim, la faim, la faim. C'est prévu. Ouais, bah mets-toi devant la porte, comme ça, s'il y a quelqu'un qui sort, il t'écrasera en plus. Qui est boulé, celui-là? Mets un buisson de Bourdina. Elle dort dedans et pisse dedans, comme ça, elle n'use rien. Non, j'en suis pas là, quand même. Je lui en veux parce qu'elle m'a donné du fil à retordre, mais j'en suis pas à la mettre dehors. La pauvre. Qu'est-ce qu'il y a, Missy? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'effraie comme ça? N'aie pas peur. C'est ma maîtrise du jeu qui te fait peur. Pardon. C'était la blagounette du jour. ça donne quoi un tableau surréaliste? Magnifique. C'est beau, c'est bio. Toi, t'en es où? Tout va bien. Magnifique. Et tu pars bosser dans 9 minutes. Super. Si avec ça, tu m'as pas la promo, je sais plus quoi faire, hein. Allez, au boulot, promo. Rien, je reviens après être enregistré une dernière fois. Ah, donc chaque fois que tu reviens, t'es... Oh! Tu t'as peur en fait, c'est ça, d'accord. Ok. Non, mais il faut le savoir. T'as vu que je fais bien les emojis quand même. C'est un talent que j'ai. Je me suis dit que ça faisait une belle entrée, d'accord, ok, pas de soucis. J'ai mis travailler dur? Oui, j'ai mis travailler dur. Ah, c'est magnifique. C'est de l'art. Du coup, la petite, non mais reste pas sans rien faire, hein. Petite chérie, là, t'as tout ce qui nous reste là? Allez, réflexion. Sinon, ta mère, elle va t'aider, ça sera plus rapide. Arrête. Et carte visuelle. Hop. Les besoins de base. Je suis étonnée que personne soit mort. Non, on s'est fait enlever, mais personne n'est mort. C'est pour qui le lit dans la chambre? Il est pour qui le lit dans la chambre à côté de la salle de bain? Alors, à la base, c'était le lit d'Olivier quand je lui ai construit son bunker parce que j'avais pas la place de mettre un lit double et que voilà. Et du coup, je l'ai gardé en me disant que j'en aurais peut-être besoin et que c'était bête de le vendre. Mais au final, je pense que je vais le vendre quand Agathe grandira pour lui faire une jolie petite chambre. Mais voilà, tant que j'ai pas l'argent, tant que c'est pas fait, je le garde au cas où. C'est la troisième chambre, ce sera pour Agathe quand elle sera grande, si j'ai pas les moyens de refaire sa chambre tout de suite. Voilà, c'est le secret du lit. C'est le secret du lit. Puis au début, comme avec Dina, ils s'entendaient pas bien, ils étaient obligés de faire un lit à part. Donc ils avaient chacun leur lit. Je vous dis, depuis le début, elle me casse les bonbons. Allez, vas-y, apprends les cartes. Jusqu'à ce que t'en aies marre. Ça commence à réchauffer un petit peu au niveau de ma blessure. C'est la chambre des secrets, c'est ça. Je sais pas à quelle heure j'ai pris mes antidouleurs. Il était assez trop tôt là pour les reprendre.
C'est trop tôt. Ouais. Il y a un basilic caché sous la chambre. Il en est où lui de sa promo? Ah, il l'a pas encore, hein? Bon, jusqu'à minuit, il devrait l'avoir quand même. Bon, c'est bien, elle en a toujours pas marre des cartes. Allez, elle va nous prendre un niveau. Non, elle se barre. Ah, putain. Allez, on recommence. On va pas s'arrêter un si bon chemin. Carte visuelle. Besoin de base. Allez, on recommence. Je lâcherai pas l'affaire. Si on veut un deuxième enfant avant la ménopause de Dina. Bon, t'as pas voulu mes idées, mais là c'est la bonne, elle dort dans la poubelle. Ah, mais non, la pauvre Dina, quand même. Ah non, on peut pas lui faire ça. On a encore besoin d'elle. Il nous faut des tableaux, il nous faut de l'argent, il nous faut un deuxième enfant. On peut pas lui faire ça.